Bandeko balandi ya chaîne na biso RDC Monde toye lisusu pa na bino toye lisusu liboso ya ba itando ike na bino toye lisusu liboso ya ba telefone na bino ezo dépend na ndenge na esika nini obolandelaka biso topesi bino mbote pe merci mingi ndenge bozali kolimbate ya kolanda biso topesi mbote na ba fidèle téléspectateur na biso notamment mama Podine Lumumba oyo azalaka toujours branché na chaîne na biso RDC Monde à partir ya musika ya Suisse. To pesi yo mbote mama esika ozali, to pesi pe ba mama nyonso mbote bisika bazali kolandela biso, to pesi pe ba papa na bilenge nyonso balandaka biso, to pesi bango mbote. Kasi bandeko boyebi ete tozali na mosala oyo ya liboso ezalaka ya koinforme bino, ya mibale oyo ezali kodecrypte actualité. Kodecrypte pourquoi? Parce que boyeba na kokomprendre pe na kososololo nini ezali kolekana na kati ya ekolo ya République démocratique du Congo. Kasi boyebi ete lelo sans plus tarder ezali mokolo ya le 2 août, ezali mokolo oyo ezali korapele biso pena date moko ya mabe oyo ezali date oyo ya génocide congolais, ezali mokolo oyo ba rebele esalemaka, ba rebele ebotamaka, pe nde mokolo yango babomaka bandeko na biso. Kasi décision moko ya malamu ezwamaki na ba oyo bazali kokamba biso, décision moko ya malamu ezwamaki na gouvernement congolais ya kosala journée ya le 2 août oyo ezala journée moko commémorative, journée oyo ezali kolobela génocoste, génocoste qui signifie tout simplement génocide pour des gains économiques. Donc il fallait qu'il kosala bongo mpona korapele communauté internationale mpe na oyo elekanaka awa na kati ya mboka ya ekolo ya République démocratique du Congo. Kasi ezali malamu, mais tokosamba mpe na gouvernement na biso bayeba mona kotya mayele, kotya mayele na sansi, pourquoi pas ériger un lieu où lorsque des visiteurs viendront ici en République démocratique du Congo, que ce soit des officiels qui viendront, parce qu'il y a des chefs d'État quelquefois qui viennent ici, des premiers ministres des pays étrangers qui viennent visiter la RDC. Je pense que pourquoi pas même ici à la capitale, ériger un lieu, à chaque fois que des visiteurs viendront, à chaque fois que le chef d'État ou la Kokoya, la communauté internationale, voilà qui s'accabango que, et si tu as autotongi, ils allaient qu'on rappelait date il y a le 2 août 1998. Et ils allaient mon colo au génocide, mais ça les makanamboka, il y a la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, alors nous allons parler de deux questions majeures aujourd'hui, notamment la question, il y a génocide le Kanaka, qui est décrypté à mon bouquin, peut-être va comment on va dans nos ressources là, et nous remis le Kanaka, qui peut être le la raison, il y a tout ça qui est dans la émission la mission précédente, qui est au zone la paix, la question, il y a cessé le feu, il y a feuille de route, il y a Luanda, Oyo et Sinyama qui entre le gouvernement congolais d'une part et le gouvernement rwandais d'autre part, sous régime, sous le contrôle, sous la supervision du président angolais. Alors, Bandeko Balandi, RDC Mons. Mais le lendemain, il y a eu un signe de les amis ont couru à le 2 août. Le 2 août, toujours un génocide congolais. Génocide congolais, les amis. Tout est à moi de sourire, mais qui est pour moi, il faut comprendre. Mais tout ça, la ramification, là, les amis, qu'on le canadé. Parce que ce qui me tali, comme on a le 2 août, on a, là, mon collègue, il y a une similitude des amis, moi, il y a similitude des amis, moi, il y a un peu de temps pour expliquer mieux. Le 2 août 1998, pour mon aka, le Kanaka ba oyo ba yebi histoire na côté à Goma, naissance ya RCD. Ya RCD la eko bema. RCD, ezalaki mouvement moko, ya ba rebelle. Ezalaki mouvement ya ba rebelle, mouvement wana nde, ezwaki décision, ya ko occupé une partie ya RDC. Pourquoi mouvement na bema, ebotamaki pour ali, parce qu'il faut rappeler ici, entrée ya AFDEL, et Salemaka le 17 mai 1997, AFDEL O et Yakana Laurent Désiré Kabila, ou Bayaka Kobelana, régime Yamobutu. Bah, estimaki que régime Yamobutu, bien évidemment, Zaki, régime dictatorial, il fallait venir installer un régime démocratique pour eux. Mais lorsque nous avons vu Laurent Désiré Kabila à Yaki, pour être à Bemana, de Kobobutu, il s'était fait accompagner de l'armée rwandaise. Il s'était fait accompagner des Rwandais. Il faut le dire comme ça. Et lorsque Bakomaki na Kinshasa, et ça là qui que Bayokanaki les sous-soutait, juste quelques mois après, même pas une année, lorsque lui a Bernalaki
Rwandais, armée rwandaise, avec qui va zonga na mboka na bango. Mais qu'on zonga na bango wana, kaka ne salemaka, infiltration et ko salem. Ba Congolais nous sous bazala qui sollicite, na ba wana ba Rwandais wana, pour que ba créer une rébellion. C'est alors qu'il y a eu la naissance du RCD. Ils ont acquis la condition dans le RCD et ils ont acquis un certain 2 août. Ils ont acquis en 1998. Mais si la rébellion est acquis au Banda. Quand la rébellion est acquis au Banda, ils ont acquis créé tension, ils ont acquis créé guerre. Ils ont acquis un certain dimanche dans l'histoire où on a demandé le Kanaki. Mais comment ils ont acquis un certain dimanche armé. Il y a qui peut trahir à la personne de Sylvain Mouki. Il y a un qui peut s'occuper d'un renseignement. Il y a une dizaine de brigades. Il y a forces congolaises à l'époque, FAC. Forces armées congolaises. Mande Kokasi, pourquoi on a le dit que d'une part, il faut qu'on explique ce que c'est le génocide congolais et puis faire les ramifications avec ce qui se passe aujourd'hui. La question relative. Et c'est le fait, mais il y a une émission qui est là, il y a un théâtre. Pourquoi théâtre, madame Konama? À chaque fois que mouvement encore rebelle le Botamaka, on les a mis pour l'exemple, pour les cas échéants, on les a mis AFC, les mots, les Kokamba, madame Konama, Konama, Konama. Tout le monde a toujours une main noire derrière, et très souvent, main noire, on les a la cas, dans pays voisin, notamment le Rwanda. L'Ouganda ou encore le Burundi. D'ailleurs, le Burundi, dans un rappelant, ma casse militaire, mais dans un cas influencé quelquefois par les Ougandais. Mais nous, nous, les Alaka Rwanda, dans l'Ouganda, mais dans la casse, il y a ma cambo et le Kanaka. Mais il y a ce qui est noir, qui est la ramification. Là, c'est le fait, Zahir Kosalem. Tu signes à qui, il faut un quota en exergue le 4 août, oh, la minuit. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a réussi à faire comprendre à la communauté internationale qu'il ne fallait pas regarder la question du conflit dans l'Est de notre pays comme étant un problème congolais. C'est un très grand pas parce que, par le passé, lorsque le conflit est notamment dans le monde, ça a commencé par ces problèmes-là, et qu'on se les dise. Pourquoi ça a commencé par là? C'était Moussa d'abord qui était venu avec les Rwandais. Lorsqu'il est venu avec les Rwandais, n'a pas de mana ba Rwandais, on a ba Rwandais, ba eko mata manasima ba Congolais nous oh ba koma ki ko trahir l'autre. Mais eh makambo na e ki koni kana ti makambo ya démocratie, eh makambo ya élection, je vous épargne mais ces détails là. Donc Joseph Kabila eko kota na mboka. Mais lorsque le Tshisekedi d'ailleurs qu'on voit pouvoir, après naissance, il y a RCD, il faut que le naissance, il y a RCD, et il y a qui peut ça accès, n'est-ce pas, dans le mouvement rebelle et mêlé, notamment le M23. Le M23 qui encore refait surface aujourd'hui. Pourquoi le M23 refait surface aujourd'hui? Je tiens à vous dire, à chaque fois qu'il y a un nationaliste à la tête de la RDC, la communauté internationale se sent mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle manipule quelques-uns des Congolais en les utilisant pour pouvoir créer des mouvements rebelles sous la supervision et le contrôle du Rwanda. C'est la même chose avec le Kanamimi Bandeko. Elles allient les mêmes typologies. Elles allient la même politique. Elles allient la même chose. Créer un monde à Kenya. D'ailleurs, le chef de l'État, il avait manifesté son indignation. Pourquoi que nous avons créé un monde à Kenya? Mais on comprend que le niveau à Kenya, le régime est qui peut changer. Président Uhuru Kenyatta a été au Kenya. Président Afrika a été au Kenya, a été au Kenya, a été au Kenya, a été au Kenya, a été au Kenya. Ils allaient comment nana, bien évidemment, dans la prise de parole n'a eu en public, alors que les rapports internationaux ont prouvé à suffisance que le conflit qui se vit à l'Est de la RDC, ils allaient rien même d'avoir été créé à nous. Mais là, c'est même qu'il y a un niveau des États-Unis, on est d'accord. Cette affaire-là, Paul Kagame n'est pour rien. Mais vous allez comprendre.
Revenons na makambo na bana ko yimisa bino ke à chaque fois que un nationaliste ayaka na tête à mboka communauté internationale se sentira mal à l'aise. Pourquoi? Parce que bango balinga raba utilisait la ressource minière il y a RDC de manière cavalière. Balinga ko utilisait la ressource wana de manière à ce que bango makaba congolais bazali ko vivre kuna pour que bazwaka yango poma nous avons négocié avec le gouvernement congolais. Alors, pour ce faire, il faut créer l'insécurité. Et comment le créer l'insécurité? Il faut passer par le pays voisin. Quel pays voisin? C'est le Rwanda. Mais pour justifier cette insécurité-là sur le plan international, il faudrait utiliser ou encore manipuler quelques Congolais. Comme ça se fait aujourd'hui, qui est-ce qui est manipulé? C'est Corneille Nangaa. Corneille Nangaa a créé le AFC. Il faut se poser une question. Bamoya au Corneille Nangaa Zali Nango. L'innovant au Corneille Nangaa officiellement Sali Nango M23. Aswa Kayamo Wap. Aswa Kayamo na Rwanda. Rwanda Zara Bamoya Wana Wap. Ils ont soutien de la communauté internationale. Il faut le dire comme ça. Il faut que le Bamoya Wana Bande Konangaï. Kasi Melo, Bazo continue quand on peut Bamoya Bande Konangaï sur la Est. Kasi Melo, comme même que. Je ne crois que le Canada le 2 août. Ils ont mis le même contexte où ils ont mis de l'eau. Il faut que signaler un projet où ils ont mis le même projet de balkanisation. Ce projet-là, ce plan-là a été déjoué et dénoncé depuis 1960 par notre héros national Patrice Emery Lumumba. Et de l'autre, madame Badouma, communauté internationale. Notamment, quelle communauté internationale? Les États-Unis. Notamment quelle communauté internationale? La France. Notamment quelle communauté internationale? La Belgique. Et vous allez voir quand on a mis ça tout le monde à jouer à ça. Ma classe mini, la soutien, la Napoléon, la Napoléon, Grande-Bretagne, qui combat tout ça là. Mais Dieu merci. Le système est changé, le régime est changé à niveau à Grande-Bretagne parce que le premier ministre a accueilli, il n'y a pas programmé. Comment est-ce que Grande-Bretagne va signer qui accord mon corps dans Rwanda pour que la voie qu'a réfugié Niasse au Bakenara pour la bâtiment d'abord en Rwanda alors que le Rwanda n'a pas de terre? Le Rwanda n'est pas assez un grand pays pour commencer à accueillir les réfugiés qui sortiront de la Grande-Bretagne pour que la Rwanda vous quitte. Pourquoi la salle à la parce que nous, normalement, les amis, que lorsque la population a été dans le côté, nous avons un côté qui s'en appartient à l'Est. Et pourquoi on appartient à l'Est? Parce que la partie, on est numéré, les amis. Donc, il faut le comprendre et le point. Car si, nous avons un médicament, on a dit qu'il y a cessé les faits. On a dit qu'il y a un croire que la bonne foi, la Rwanda. Mais on a dit que le Corneille Nangaa a le dit officiellement. A le dit. Alors dit que il y a un azana à l'un dialogue direct na Kinshasa et que question à cesser les faits ont été signalés na niveau à Rwanda et tandis dans notre mais qu'on a une arme moi je vais m'adresser à toi na Rwanda ça on découvre tu sais que comprendre la jeune le gouvernement congolais n'a pas besoin de pouvoir négocier avec un terroriste. Le gouvernement congolais ne peut pas négocier avec un rebelle. Ça a été une négociation d'état à état, une négociation entre l'État congolais et l'État rwandais dirigé par les sorciers. Donc il n'y a pas le Kagame, il faut le mettre en haut, parce qu'il y a un Makira à bateau. Paul Kagame est venu différentement dans le Kira, il y a un bateau à bouton. Différent, c'est venu quand il y a un Kagame à monde. Pour bateau dans le Kagame, après, Makira est un CP la Rakonia, mais il y a un Kagame, il y a un Kagame, il y a un Kagame. Là, il y a un opposé à un régime, mais il y a un CP la Rakonia. Pourquoi dans le monde de ramification, on a salué de recomprendre que j'ai une inversion de la part de la communauté internationale. Lorsque je vous avais mis ici, que c'était de manière tacite, c'était une diplomatie intelligente, arriver à faire signer au Rwanda une feuille de route. Lorsque le Rwanda signe la feuille de route, ça voudrait dire que le Rwanda reconnaît qu'il a ses troupes sur le sol. Congolais. Et n'avait pas dit que solution les amis qui a signé c'est le faire là, mais solution les amis a obtenir au niveau de la communauté internationale que Rwanda a reconnaître que la troupe n'a pas amis, mais une nation congolaise, et pour le faire, il a retiré la troupe n'a pas. Non,
le retrait de toute promesse. Il y a un des amis importants. Malheureusement, la vie est de ce monde. Ils avaient important à blesser les billets de manière historique, ma cambo, ils avaient collé. Ben, on proposait la solution. Solution, mon gouvernement congolais n'est pas avec la mission. Malheureusement, qui a cambo, c'est le fait. Il faut que faire très attention. Parce que ça pourrait être un piège. Mais j'ai aimé la sagesse et l'intelligence du gouvernement congolais. Parce qu'ils sont arrivés à expliquer que ceux qui sont là, ceux qui sont sur le sol congolais, ce n'est ni l'AFC, ce n'est ni le M23. Ou on a les arrivés à supplétif, madame. Et puis, ils ont le corps à nous autres, ils ont le corps à corps humain, en réalité. Et là, on sait que tout ça, la maramoulée, c'est les amis motos, les amis cerveaux. L'imoko, tout le monde a un peu de le bras, qui est le Nicolo, qui est le L'imoko, tout le monde, l'imoko, il appelle quand même les amis M23, l'imoko, il appelle quand même les amis Coronel Mama. Mais quand c'est pas pour arriver à te déjouer, nous sommes amis à poser à ce là, mais il y a autant de Coronel Mama. À quel titre, à quelle qualité, et au Solana, aux amis présidents à Mokanou. Mais aux amis rebelles, aux amis congolais, aux amis décisions à combler ma bande de congolais, ma congolais. Et puis tu en paieras très cher. Pour ça, vous avez que ça, les marins, on va vous condamner. Non seulement on va vous condamner, on va subir la justice divine de Congolais. On va consumer les amis. Tu ne peux pas tuer les gens impunément comme ça. Il y a une décision, il y a des amendements qui ont été s'annuler. Là, tu me suis pour que on ne va pas condamner, on va condamner. Congolais, maman. Et puis on va rappeler la Bécou. On dit que il faut que la communauté internationale va comprendre de elle. Il faut pas que Gabi comprenne que le contexte n'est plus le même. Hier, les acquis contexte, que nous avons des Zéro Kabila, à côté qui n'a pas pouvoir, il faut le dire, on a dit là, on a qui. Mais depuis un certain moment, ce pays est devenu une constitution. Nous avons décidé de manière collective, en opulant sur le texte, en signant la constitution, qui est un contrat social, aux amis venant établir ce qui m'a quitté à la Congolais, accession à pouvoir aux amis sous Mandela à la paix, accession à pouvoir au commun Mandela à l'élection. Le contexte n'est plus le même, c'est-à-dire que quand même il y en a qui arrête de rêver, au commun, 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 au je vous prends un témoin. Le Kokone Nana ne prendra jamais le pouvoir dans ce pays. La voie pour laquelle a accédé au pouvoir dans ce pays, nous l'avons définie de manière constitutionnelle. Au sud et au vu de tout le monde, Bandeko. Donc, et le Kokone Nana a dit que ça, l'année, il a connu comme ça. Et là, le peuple qui a gagné le pays, ça, l'année, il a connu comme ça. Pour que même ma caméra m'explique les minéraux, même ma caméra, il a connu comme ma balongue. Comment tes amis bataillent mon corps. Mais ici, je t'appelle le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais doit comprendre que nous devons nous organiser à l'interne. Le plus grand travail à faire, c'est de pouvoir faire la montée en puissance de nos forces armées, de sécurité et de défense. Et là, il faut que ça, les armées. C'est de la même manière qu'on est en train de traiter les rebelles, les gens qui sont en train de prendre des armes, en les condamnant à la peine de mort. C'est de la même manière qu'on doit traiter ceux-là qui sont en train de détourner les deniers publics. Parce qu'ils sont pareils. Parce que les amis, ils n'ont pas. Sauf que Bazaïla m'a mon opérant différent. Bazaïla m'a mon opérateur différent. Mon toi, j'ai connu ma munition à l'État. Azali, non, mon toi, j'ai mon mec avec le monde. Donc ça voudrait dire que sur le plan de droit, sur le plan légal, lorsque le législateur va réfléchir, il faut qu'il subisse la même peine. Il faut qu'il subisse le même sort. Parce qu'ils sont en train de voir de la même manière, mais en ayant le monde opératoire différent. C'est pourquoi si j'interpelle le ministre de la Justice, si au niveau du Parlement, parce que la méco va députer au peu dans la rana, pour la bazar, la méco va la rapporter, bazar la méco va la rapporter ça la cop pour là, ce qui est la proposition de loi de salamité, le ministre de la Justice peut faire un projet de loi. Projet de loi dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que, et comme ça, et comme là,
vraiment y a que mangi ça va on a mis la cime dans le soleil d'état pour que soit ma candidat ma jugé pour ma condamné et que soumis pas de mort et puis fait exemple ça là s'il vous plaît ma tour faut pas le canadien le faut pas ça là pour que mon tour attend là il est monsieur qui n'a pas dit n'a pas dit que gérer l'état là ça n'a ni même même que attend $1 à l'état il faut là pour justifier alors notre on a d'affaires privées dans notre Mandeko. Jusqu'à quand nous allons évoluer comme ça? Mais nous, en tant que des Congolais intelligents, en tant que des Congolais réfléchis, en tant que des Congolais qui réfléchissent autant que maman Pauline Lumumba et Nazaré Kopé, ça n'a pas été un des Congolais qui a fait ça, le Pézami, Azaré Nassoussié et Makambo et Bémanambo Kanamiso. Il faut te réfléchir, Bémo. Il faut te faire la Makambo, Bémo. Il faut te arriver. N'est-ce pas? Il y a comme un mouvement, il y a une inversion, il y a comme un misama, oh, il y a une massima, nous sommes à l'État. Pour que nous sommes allés pour lui, nous sommes à l'État. Nous sommes montés en puissance, il y a un effort à baisser la mission. Et que ça là. Nous sommes tous les gens qui ont un exemple pour activer la loi sur la programmation militaire, nous avons besoin de moyens financiers pour nous avoir ça là. Parce que nous sommes tous. Et ça, tu vois, il y a qui m'a expliqué, il y a qui m'a explicité. Même le crypté, ma vie, dans le salon de décryptage, je me souviens, ma solution, tu veux que tu pour que toi, si ça m'a cambré. Parce que nous sommes en train de parler depuis de 1 million de morts, vous imaginez. Le génocide congolais, mais pour ça, qui m'a dit ça, que lorsque RCB, Bandeko, Bazaï, qui m'a rebelle, Bazaï, Soubéro, Bandeko, Bazaï, qui. On décolle ainsi de suite. Bakana qui parti oriental, notamment qui s'en va mis. Mais ma réussi ça, il va arriver qui m'a ramené dans l'Ougandais, il y a que deux mois congolais, et il y a que ériger les cimetières les plus loin du monde. En 6 jours, on a pu enterrer plus de 2000 personnes. Vous imaginez 2000 personnes de courir la loi pour être dans tout ça qui en 6 jours. Et puis même dans la selon ma rapport dans le barrage des amis, ok, on a les amis estimations, auto, salaka, auto le bata. Donc ici, en tant que Congolais, nous devons arriver à terre nos différents. Nous devons arriver à terre nos divergences. Nous sommes dans une société démocratique, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est du choc des idées que j'ai eu la lumière. Mais à un certain moment, nous devons nous rassembler pour la cause commune. Nous rassembler contre la balkanisation. Nous rassembler contre le génocide. Nous rassembler contre le détournement des données publiques. Nous avons ce devoir patriotique-là. Pour que demain, nous ne puissions plus revivre la même chose. Alors, ici, mes frères, ici, mes soeurs, à Wande, dans le Konangaï, dans le Koyabasi, dans le Mais il m'a expliqué, en cette date, il y a le 2 août, et vous allez pour commémorer le génocide congolais, et vous allez pour expliquer, parce qu'il faut rappeler ici, Paul Kagame, c'est le menu principal de tous les Congolais, menu par le génocide ou encore le massacre. Que le tout tu avais subi là-bas, c'est sur base de ça qu'il arrive à construire et à bâtir l'économie rwandaise. C'est sur base d'un faux. Mais il faut le reconnaître aussi, ici, que Ezali Manajina Nae, quand même qu'Ezali Manajina Nae est sanguinaire. Mais nous devons arriver à faire la même chose. Mais nous allons faire la même chose, pourquoi? Parce que ce que nous expliquons à la communauté internationale, c'est ce que nous avons vécu. Que la communauté internationale, la même sympathie qu'elle a envers le Rwanda, elle doit avoir la même sympathie envers la RDC. Parce que tu connaîtras la Bible au Kouana. N'a pas répondu à la Bible au Kouana. N'a pas répondu à directement. Ndeko, ma caméra est que ça, là, c'est déjà voué à l'échec. Ma caméra est que ça, là, et que mon maillot est si à mon côté. Fort malheureusement. On ne peut plus négocier avec toi. Tu n'as aucun pouvoir. Et là, il ne sera pas sauté. Et là, il ne sera pas sauté. Jamais et au grand jamais on négociera avec un rebelle, un terroriste comme toi, mais sur quoi?
on ne négociera pas avec toi. Et puis, dans le gouvernement congolais, beaucoup plus intelligent. Il faut voir pour que tout arrive, tant soit peu, il y a que maître qui n'y en appartient. Arriver à trouver une solution définitive. Je suis confiant au chef de l'État, j'ai toujours dit ça ici, la ferme volonté qu'il en a de pouvoir mettre fin de manière définitive à l'insécurité qui sévit dans l'est de notre pays aujourd'hui à plus de 3 décennies. Bandeau de la nuit. Merci même les acquis branchés. Merci même les vols de y a que la mabisso, quand c'est encore appelé, il y a beaucoup de gens. Ce qui est la mabisso, le connaît. Les amis simples, autant mieux si comme moi cloche, les amis, et s'abonner à la chaîne mabisso. Pour aller les copains, ça bisso, moi, ma casse, c'est copains, ça bisso, pour moi. Il y a que l'AKP a été décrypté. Ma information est aux amis en possession. Donc ils ont dit simple, nous avons dit que merci à l'équipe technique aux aïkou accompagnement, merci à Ndekounanga et Adolphe, ou à Zone Mbate, à Koza Anabiso, pour que tout y a Kalibosso, Yabé Tambéke Nabino, pour que tout en format Kabino, pour que tout décryptaka, et le monde Nabino, 4e émission Nabiso, salon de décryptage. Bon abonné, tout le monde, tout coûte à nous prochainement. Au revoir.